De Duren à Léonard de Vinci. Voici quelques peintures célèbres de Léonard de Vinci, des autoportraits qu'il faisait sur commande pour la noblesse, ce qui lui permettait de vivre de son art. Voici au centre la mère à l'enfant, puis un dessin à main levée. Voici le portrait de Mona Lisa. Plus on s'approche d'elle, plus le regard s'éloigne. Voici un autre autoportrait, mais cette fois-ci d'un homme. Et voici quelques détails. Quelques détails de l'autoportrait d'une femme noble de Venise. Et là, voici des dessins de Duren. Donc là, c'est un zoom des femmes dans le bain. Sérigraphie que Duren vendait au marché, ce qui lui a permis de devenir riche. Il gagnait aussi sa vie en illustrant des livres. Il avait un réel don pour le dessin. De formation de dessinateur, il a commencé à dessiner des formes géographiques de bijoux et à développer l'art de l'orfèvrerie. Puis, il a commencé à sérigraphier ses œuvres, à les dupliquer et à les vendre au marché, ce qui leur a permis de devenir riche pour son époque. Sa femme allait dans l'ensemble des marchés et vendait les sérigraphies de son mari. Voici son autoportrait. Et là, c'est l'autoportrait de Duren qu'il a fait lui-même en se mettant face à un miroir. Voici le lapin. Une aile avec beaucoup de détails. Et là, on finit la vidéo avec l'autoportrait peint de Duren. À sa gauche, nous voyons sa mère et à sa droite, son père.